جامعة محمود المطري، أول جامعة خاصة مختصة في العلوم الشبه الطبية. جامعة محمود المطري، الامتياز والالتزام. Bonjour à tous et bienvenue à l'avant-dernière séance de notre cycle de conférences, retour sur la médecine arabe et tunisienne, savoir, acteurs et pratiques du soin. Poursuivant la découverte ou la redécouverte des grands acteurs de la médecine tunisienne, après le docteur Selm Shaid, les pionniers de la psychiatrie, nous souhaitons aujourd'hui rendre hommage au docteur Mahmoud Al-Matri, dont notre université spécialisée dans les sciences paramédicales porte le nom. En effet, les Tunisiens connaissent Mahmoud Al-Matri, le militant, l'homme politique, l'artisan de l'indépendance de la Tunisie, mais moins son œuvre médicale pourtant très riche. De la lutte contre les épidémies de peste, aux politiques publiques de santé, en passant par la vice-présidence de l'OMS. Et c'est le docteur Driss Shrif, chirurgien, ancien président de la Société tunisienne d'histoire de la médecine et de la pharmacie, qui a à son actif de nombreux travaux sur l'histoire de la médecine arabe et tunisienne, qui va nous éclairer sur le parcours scientifique du docteur Mahmoud Al-Matri, le médecin et le premier ministre de la Santé de la Tunisie indépendante. Je remercie très chaleureusement le docteur Driss Shrif pour son aimable participation et je lui cède la parole. Bien, je voudrais tout d'abord féliciter les responsables de l'université Mahmoud Al-Matri et du laboratoire de recherche Assilia Pola pour l'organisation de ce séminaire d'histoire de la médecine. Je voudrais les remercier aussi pour le choix du nom d'Assilia Pola, du nom de la première femme médecin à l'époque carthaginoise en Tunisie. Alors, la connaissance de l'histoire de la médecine permet souvent de bien comprendre le présent de la pratique médicale et de mieux envisager le futur de cette discipline. Et l'histoire, qui est souvent écrite par les gagnants, mérite d'être repensée, réévaluée et parfois réécrite. Et c'est dans ce cadre-là, de ce cycle de conférences, qu'il m'a été demandé de présenter la biographie du docteur Mahmoud Al-Matri, le médecin. Je connaissais bien son fils, le docteur Aziz Al-Matri, mais je n'avais qu'une idée sommaire sur la personnalité de son père. Puis, au fur et à mesure de mes recherches, je découvre ce grand médecin, patriote, militant, homme d'État, de tempérament pacifiste, qui devait être le père de la Tunisie moderne et qui a beaucoup œuvré pour l'indépendance de la Tunisie. Je me rends compte qu'il était le premier médecin tunisien musulman élu président de la Société tunisienne des sciences médicales. Je constate qu'il était le premier président tunisien du Conseil national de l'Ordre des médecins de Tunisie après l'indépendance. Et je m'aperçois qu'il était le premier médecin tunisien nommé ministre de la Santé après l'indépendance et qu'il était à l'origine de la politique de santé adoptée par la Tunisie et qui fait la fierté de tous les Tunisiens jusqu'à aujourd'hui. Mais qui est donc le docteur Mahmoud Al-Matri? Qu'a-t-il apporté à la Tunisie, en particulier dans le domaine médical? Pour parler de ça, j'ai commencé à lire le livre de Madame Enis Al-Matri Hached, Mahmoud Al-Matri, pionnier de la Tunisie moderne. Et dans ce qui suit, je vais essayer d'aborder la vie du docteur Mahmoud Al-Matri, ensuite le docteur Mahmoud Al-Matri, le militant, pour à la fin parler du docteur Mahmoud Al-Matri, le médecin. Donc, si Mahmoud, comme préfère l'appeler sa fille Madame Anissa dans son livre, est né en fin décembre 1897, mais le jour exact de sa naissance demeure mal précisé. Et si Mahmoud précise, dans un document autobiographique daté du 27 novembre 1971, et qu'il avait tenu à déposer lui-même au Centre de documentation nationale un peu avant sa mort, qu'il est né le 26 du mois de Rajab en l'an 1315 de l'Hégire, ce qui correspondrait au 20 ou au 21 décembre 1897.
Il est issu d'une famille d'origine gréco-turque, originaire de l'île de Kos, l'île qui a vu naître en l'an 460 avant Jésus-Christ le grand médecin Hippocrate. Son ancêtre, Mohammed Stankouli, est arrivé en Tunisie vers 1680. Il va s'installer à Tunis et va être très proche du Bey, puis il va se réfugier dans la ville de Matheur et aurait adopté le nom de sa femme, devenant ainsi El Matri. En fait, Si Mahmoud, dans son document autobiographique, affirme que son nom de famille n'a aucun rapport avec la ville de Matheur. Son grand-père, Cheikh Ahmed El Matri, était enseignant, Moudarris, à la mosquée Zaytouna. Son père, le Cheikh Mokhtar El Matri, était imam à la mosquée El Qsar à Beb Mnara, à Tunis. Sa mère, Madame Khadija Farah, dite Douja, est issue d'une famille d'artisans chaouéchi d'origine andalouse qui s'est installée en Tunisie au début du XVIIe siècle. La vie n'a pas gâté le docteur Mahmoud El Matri puisqu'il a vécu orphelin. En effet, sa mère est décédée lors de l'accouchement et son père est décédé 10 mois après. Ses études. À l'âge de 6 ans, il fréquente le Koteb où il va apprendre le Saint-Coran, puis il va entamer ses études primaires et secondaires au collège Sadiki de 1905 à 1916. En 1910, il obtient le brevet d'arabe et en 1916, le diplôme de fin d'études du collège Sadiki, ce qui va lui permettre d'exercer la profession d'instituteur à l'école primaire de la Marsa afin de pouvoir financer ses études. En même temps, il va préparer les deux parties du baccalauréat en mathématiques. Il passe la première partie du baccalauréat à Alger en 1918, et la deuxième partie à Lyon et va obtenir son baccalauréat le 12 juillet 1919. En septembre 1916, il s'inscrit à la fois à la faculté des sciences et à l'école de médecine de Dijon. En 1924, il obtient sa licence en sciences et réussit sa troisième année de médecine. Puis, il va s'inscrire en quatrième année à la faculté de médecine de Paris. Et grâce à sa licence, il va exercer en tant qu'enseignant dans les écoles secondaires libres afin de pouvoir financer ses études. Le 6 juillet 1926, il soutient sa thèse de doctorat en médecine intitulée « Contribution à l'étude de la souffrance du fœtus au cours du travail ». C'est un travail qui a été fait à la maternité de l'hôpital Tenon et il obtient ainsi le diplôme de docteur en médecine avec la mention très honorable. Il serait le troisième médecin tunisien musulman de la faculté de médecine de Paris. En 1926, il rentre en Tunisie et il voulait être interne à l'hôpital Sadiki. Mais sa candidature a été refusée et il a dû se contenter du poste d'assistant bénévole au service du docteur Brock à l'hôpital Sadiki. D'accord. Donc en mars 1927, il s'installe dans le privé et ouvre un cabinet au 5 rue Beb Mnara à Tunis et il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins sous le numéro 97. Très rapidement, les patients affluent. Le docteur El Matri acquiert une notoriété incontestable. Quoi de plus normal puisqu'il alliait la compétence médicale, l'honnêteté professionnelle et le caractère humain. En effet, il soignait gratuitement les pauvres et assurait une consultation gratuite tous les vendredis à son cabinet. Il distribuait certes des échantillons de médicaments, mais achetait même certains médicaments chez le pharmacien du coin, à tel point qu'il a été surnommé le médecin du peuple. En 1931, il s'est marié avec Madame Qmar Ben Tahar Ben Sheikh Ahmed, qui est descendant de Sid Cheikh Ibrahim Riahi. Il est père de 7 enfants, Sherif, Leila, Faiqa, Emel, Aziz, Enissa et Samira.
Et le 13 décembre 1972, il décède et sera enterré à la Torba de Matri au cimetière Jalès. À côté de ce parcours de médecin, le docteur Matri avait un parcours de militant nationaliste qui a participé à la lutte pour l'indépendance de la Tunisie en favorisant la sagesse et le dialogue. En effet, durant son séjour en France, étant étudiant, il a publié plusieurs articles de presse dans les journaux français, Le Progrès de la Côte d'Or, Le Rappel, Le Populaire de Paris, Clarté et La Vie ouvrière. Et ces articles étaient signés parfois en son nom et d'autres fois sous l'anagramme M.E. Mariette, que ses amis connaissaient parfaitement bien. Il va militer dans différentes organisations et partis politiques. Il va adhérer au Parti communiste, puis au Parti socialiste. Il milite au sein de la Ligue des droits de l'homme et fut l'un des fondateurs du journal L'Étoile nord-africaine en 1926. Alors, de retour en Tunisie, il va participer de façon active à la lutte pour l'indépendance du pays. En décembre 1927, il crée la section tunisienne de l'Association des étudiants musulmans nord-africains qui va aider les étudiants tunisiens en France et défendre leur cause. Mais cette association va être rapidement interdite par les autorités françaises en 1929. Et en 1931, le docteur Matri va créer une nouvelle association, la Société des Amis de l'étudiant. Parce qu'il était convaincu qu'il fallait former une élite instruite pour diriger le pays et former les cadres de la Tunisie future. Il va publier dans le journal La Voix de Tunisien. Son premier article date du 1er septembre 1930 et il va être l'un des cofondateurs du journal L'Action tunisienne, dont le premier article est paru le 1er novembre 1932. Le docteur Matri va publier près de 23 articles dans ce journal jusqu'à son interdiction le 31 mai 1933. En 1933, il rejoint le parti Destour et il va être élu à l'unanimité premier président du parti néo-Destour au congrès extraordinaire de Tsarahlel tenu le 2 mars 1934. Puis, le 3 septembre 1934, il va être arrêté, exilé à Benguerden pendant 7 mois, puis déporté au camp de Bourg-le-Bœuf et il ne sera libéré que le 25 mai 1936. Et en raison d'importants conflits avec Habib Bourguiba, le docteur Matri, ne voulant pas créer un bras de fer avec Bourguiba, a préféré démissionner du poste de président du Néo-Destour le 3 janvier 1938. En 1942, il est nommé chef des médecins et conseiller particulier de Mansouf Bey, le Bey du peuple. En 1943, il participe au premier gouvernement Chnir en tant que ministre de la Plume et il va demander au Bey de changer la dénomination de ce ministère de la Plume en ministère de l'Intérieur et c'est ainsi que va être créé en 1943 le premier ministère de l'Intérieur en Tunisie. En 1950, il participe au deuxième gouvernement Chnik en tant que ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et en 1952, il va être arrêté et déporté dans le sud tunisien avec tous les ministres mansefistes. Après l'indépendance de la Tunisie, le docteur Matri va être nommé à la tête du ministère de la Santé et va entamer... Après l'indépendance de la Tunisie, le docteur Matri va être nommé le ministre de la Santé de la Tunisie indépendante et c'est le premier ministre, le premier médecin tunisien ministre de la Santé après l'indépendance.
Et ce, dans le premier gouvernement qui a été dirigé par Habib Bourguiba. Et il va être ministre de la Santé en tant qu'indépendant et non en tant que membre du néo-destour. Il va être aussi élu député à l'Assemblée constituante, où il était le seul à s'opposer lors du vote de certaines lois, à tel point que le président de l'Assemblée disait à ce moment-là que telle loi a été votée à l'unanimité, à l'exception de Si Mahmoud. Mais il finira par démissionner le 27 juillet 1957 du poste de ministre de la Santé. Néanmoins, il sera décoré par le président Bourguiba du grand cordon de l'ordre de l'indépendance. Ainsi, le docteur El Matri peut être considéré comme le père de la nation, le conseiller, le sage, et comme il a écrit lui-même, il a fait ce qu'il a pu pour la Tunisie. Le docteur El Matri, il est médecin. Nous essaierons de parler dans ce qui suit un des activités médico-sociales du docteur El Matri. Deuxièmement, des postes qu'il a occupés. Troisièmement, de sa participation à la lutte contre les épidémies qui ont sévi en Tunisie. Et enfin, de son œuvre et de ses publications. Pour ce qui est des activités médico-sociales, le docteur El Matri connaissait parfaitement bien la situation socio-économique et sanitaire de ses concitoyens. Il a œuvré pour l'amélioration de ses conditions socio-économiques et sanitaires des Tunisiens à cette époque. En mars 1932, il participe à la lutte contre la famine et la misère qu'a connue la Tunisie cette année-là, appelée « année de la misère » « Am Shar ». En 1937, il soutient l'action du résident général Armand Guillon, qui a créé un comité de secours pour aider la population pauvre victime de la famine. En avril 1940, 43. Il a été à l'origine de la création du Croissant Rouge tunisien pour assister les victimes tunisiennes des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Mais cet organisme a été rapidement dissous par les autorités françaises en août 1943 et ce n'est que 14 ans après, le 30 septembre 1957, que cet organisme a été reconnu par le Comité international de la Croix-Rouge grâce à l'effort qu'avait fourni le docteur Mahmoud El Matri en tant que ministre de la Santé de la Tunisie indépendante. En 1942, avec des amis tunisiens et musulmans, ils vont aider les juifs persécutés par les Allemands et vont sauver plus d'une centaine de juifs de la mort certaine. Après l'indépendance, le docteur Matri, nommé à la tête du ministère de la Santé, va entamer une réorganisation de la santé dans la Tunisie indépendante par la création des dispensaires dans les régions rurales défavorisées, par la modernisation des établissements de santé, la formation des cadres médicaux et paramédicaux, l'instauration de concours et d'écoles pour les infirmières et les auxiliaires de santé. C'est lui qui a été à l'origine de la création et de la distribution des attestations d'indigènes, ce qu'on appelle les certificats de pauvreté, qui sont valables jusqu'à nos jours et qui permettent à ces indigènes de se faire soigner gratuitement dans les institutions publiques. C'est lui qui a été à l'origine de la création des maisons des orphelins pour accueillir les enfants abandonnés. Ces maisons ont été appelées pendant longtemps les villages des enfants de Bourguiba. Ainsi, toutes ces mesures qui ont fait la politique de santé de la Tunisie après l'indépendance, qu'on appelle jusqu'à maintenant politique de santé de Bourguiba, ont été à l'origine créées par le docteur Mahmoud El Matri. Les postes occupés. En 1946, le docteur El Matri est membre de la Société de médecine des hôpitaux de Paris.
En 1947, il est élu premier président tunisien musulman de la Société tunisienne des sciences médicales et il était aussi membre du comité de rédaction de la revue La Tunisie médicale. Et en 1950, il est élu président du syndicat des médecins français et tunisiens. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite il y a deux jours, puisque en parcourant le net sur Gallica, je découvre une note dans un quotidien datant du 30 mars 1950, quotidien qui s'appelle Tunisie-France. Et à la page 2, dans les échos, syndicat médical français et tunisien et la nomination de Dr Mahmoud Matri en tant que président de ce syndicat. En 1947, le Dr Matri est élu vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins de Tunisie. Et en 1957, il est élu à l'unanimité premier président tunisien du Conseil national de l'Ordre des médecins, parce que jusqu'à la promulgation de la loi de mars 1958, les Tunisiens ne pouvaient pas faire partie du Conseil de l'Ordre des médecins et ne pouvaient pas être président du Conseil de l'Ordre. Donc ce n'est qu'après la promulgation de cette loi, après l'indépendance, que des Tunisiens ont pu faire partie de ce Conseil de l'Ordre. Voici la composition de ce premier Conseil de l'Ordre des médecins de Tunisie après l'indépendance. Et on voit donc président Dr Mahmoud Matri, on voit avec un certain nombre de sommités médicales tunisiennes, notamment Dr Saïd Mestili, mon maître, Sibrahim Al-Gharbi, Abdel Majid Sharrat, et Madame Tawhida Benchir, la première femme médecin en Tunisie, en Afrique et dans le monde arabo-musulman. En 1957, le Dr Matri est élu vice-président de l'Organisation mondiale de la santé. Troisième volet, la lutte contre les épidémies. Le Dr Matri s'est investi dans la lutte contre les épidémies qui ont sévi en Tunisie à cette époque, la tuberculose, le paludisme, le trachome et en particulier la peste pulmonaire, que nous allons détailler un petit peu plus dans ce qui suit. La peste pulmonaire s'est déclarée en Tunisie en décembre 1929. Il y a eu plusieurs décès d'indigènes originaires de la région de Douiret et habitant dans le même quartier de la Médina de Tunis. Ces décès ont été rapidement enterrés et n'ont pu être examinés. Voici une carte inspirée de l'article du docteur Ernest Conseil qui montre la région de Douiret dans le sud tunisien, tout près de Médine. Le 26 décembre 1929, quatre malades ont été transportés au lazaret de la Rabta. L'un d'eux meurt et c'est l'autopsie et les examens bactériologiques qui vont confirmer le diagnostic de pneumonie pesteuse. L'épidémie va se répandre rapidement chez les gens de Douiret. Et des mesures urgentes et exceptionnelles vont être prises pour enrayer l'évolution de cette épidémie. Le docteur Ernest Conseil, qui était directeur du service municipal d'hygiène de la ville de Tunis et qui était chef du service contagieux à l'hôpital La Rabta, est chargé de la lutte contre cette épidémie. Ces mesures ont consisté en 1. L'isolement des malades à l'hôpital contagieux de la Rabta. L'isolement des sujets contacts à la prison civile. La désinfection des locaux contaminés. L'inhumation va être faite sans le lavage rituel, ce qu'on a vécu récemment en Tunisie. Le port de masques et de lunettes devient obligatoire. Et une campagne de vaccination par le sérum antipesteux va être entamée. Ces mesures vont amener rapidement une éradication de l'épidémie qui va prendre fin en janvier 1930. Et bien le docteur Matri a participé à cette lutte contre la peste pulmonaire. Dans ses mémoires, il écrit « En 1930,
éclata subitement en Tunisie une épidémie de peste pulmonaire qui sema la panique dans la population. Et il dit qu'il a été appelé un jour pour examiner une petite malade de la famille de Duiret dans le sud tunisien, habitant à la rue Gharnouta. Il a fait le diagnostic d'une bronchopneumonie, il a donné un traitement en conséquence, et le lendemain, l'un de ses parents se présente à lui pour lui réclamer un certificat de décès de sa malade. Il ne s'attendait pas à une évolution si foudroyante de la maladie. Il téléphone au docteur Ernest Conseil qui lui dit « Malheureux, c'est probablement un cas de peste pulmonaire. Faites attention, j'ai déjà vu 4 cas depuis avant-hier et votre cas serait le 5e. » Le docteur Matri continue à écrire « Quand on pense aux effets effroyables qu'avait eu l'épidémie de peste pulmonaire à Karbin en 1902, on peut dire que Tunis et même la Tunisie l'a échappé belle grâce à l'effort du docteur Ernest Conseil, grâce à son héroïsme. » Il mentionne également le docteur Delattre qui s'est enfermé avec les malades et les suspects à la Rabta jusqu'à la fin de l'épidémie. Et il continue en disant qu'un service médical permanent a été assuré par des volontaires auprès des cas isolés à la prison civile où je passais moi-même une douzaine de jours sans rentrer chez moi ni sortir en ville. Le docteur Ernest Conseil et son équipe vont publier un certain nombre d'articles à propos de cette épidémie dans la revue Archives de l'Institut Pasteur de Tunis. Ces articles parlent de l'aspect épidémiologique, de l'aspect clinique, anatomopathologique et bactériologique et de la prévention par la vaccination par voie respiratoire. Et dans l'un de ces articles, Ernest Conseil souligne l'apport d'un certain nombre de médecins tunisiens. Mais à aucun moment, il ne mentionne le nom de Mahmoud Matri. Il cite les docteurs Manchari, Berraïs, Shamla, Farhat. Il cite également le docteur Delattre, assistant à l'hôpital Sadiki, qui s'offrit pour s'enfermer au lazaret jusqu'à la fin de l'épidémie avec les patients. Mais il omet de signaler les 12 jours qu'avait passé le docteur Matri à la prison civile. Néanmoins, dans cet article, on retrouve certainement le cas qui a été pris en charge par le docteur Matri, puisque la patiente habitait à l'impasse Gharnouta, qu'on retrouve à la date du 22 décembre, du 25 ou du 26 décembre. Donc c'est dans l'une de ces dates-là que le docteur Matri a pris en charge sa patiente. Mais il faut savoir que le diagnostic de peste pulmonaire n'a pu être porté qu'à partir du 26 décembre 1929. Alors, les publications et les travaux du docteur Matri. Le docteur Matri est l'auteur d'une thèse de doctorat en médecine, d'un ouvrage et de plusieurs articles parus dans des revues médicales et dans les journaux. Sa thèse, comme on en a parlé, s'intitule « Contribution à l'étude de la souffrance du fœtus au cours du travail », a été soutenue le 6 juillet 1926 et elle figure dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. D'abord en 1926, ensuite, en août 1927, dans un article sous forme d'article dans la presse médicale, et puis en décembre 1927. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Itinéraire d'un militant » qui a été édité en langue française et en langue arabe et dont voici quelques extraits. Et enfin, il a publié des articles dans des revues médicales
en 1930 à propos de la méningite abscissile de Pfeiffer, en 1930 également à propos du traitement de l'eczéma par l'insuline, en 1949 à propos de l'évolution de quelques cas d'albuminurie orthostatique, et enfin en 1931 puis en 1982 l'assistance médicale pendant 50 ans de protectorat. On en reparlera tout à l'heure. Dans les journaux tunisiens, il a publié près de 21 articles de 1931 à 1933, ce qui fait une moyenne à un certain moment d'un ou deux articles par semaine. Je vous cite ici les publications faites dans ces journaux tunisiens, à commencer par l'assistance médicale pendant 50 ans de protectorat qui a été publié dans La Voix du Tunisien en 1933. Et repris dans la Tunisie médicale en 1982. Ces articles parlent de l'hygiène du Tunisien, l'hygiène dans les écoles, les épidémies qu'avait eu la Tunisie à cette époque. Un article dans lequel il rend hommage au docteur Comte, on en reparlera après, paru en 1932. La lutte contre les fléaux sociaux et les épidémies, la peste, le paludisme, l'alcool, l'état des patients aliénés, la crise du logement et les logements insalubres dans lesquels vivaient les Tunisiens, la lutte contre la tuberculose, un article dans lequel il rend hommage au docteur Reynal, qui a succédé au docteur Ernest Conseil à la tête de la direction et du bureau d'hygiène municipale de la ville de Tunis, et un article intitulé « À qui la découverte ?» ou « À chacun son dû » qui est paru en 1933 et dont on parlera tout à l'heure. Les autres articles parlent du financement de la santé, les 16 millions de l'assistance, et puis de certains fléaux, notamment le takrouri. Parmi ces articles, il y a deux qui ont attiré mon attention. Le premier s'intitule donc « L'assistance médicale pendant 50 ans de protectorat », qui est paru dans La Voix du Tunisien du 11 mars 1931 et qui a été repris dans la Tunisie médicale en 1982. Dans cet article, le docteur Matri dresse un état des lieux des structures sanitaires en Tunisie à cette époque, ce qui peut être important sur le plan histoire de la médecine en Tunisie. Il affirme dans cet article qu'en 1907, il y avait un médecin pour 40 000 habitants tunisiens. Il constate que là où il n'y avait pas de colons, il n'y avait pas de médecin. Et conclut que l'assistance médicale à cette époque était à peine suffisante pour un septième de la population indigène. Le deuxième article qui a attiré mon attention s'intitule « À qui la découverte ?», paru dans l'Action tunisienne du 23 janvier 1933, et dans lequel Si Mahmoud parle des travaux de Charles Nicolle sur le rôle du pouls dans la transmission du typhus exanthématique. Ces travaux ont valu à Charles Nicolle le prix Nobel de médecine en 1928. Alors, Si Mahmoud écrit et affirme que ces travaux ont été réalisés non seulement par le docteur Charles Nicolle, mais aussi par Charles Comte et Ernest Conseil. Et il démontre que la priorité de cette découverte revient à Charles Comte et non à Charles Nicolle. Et il se réfère à un certain nombre de publications qui sont parues dans la Revue moderne de médecine et chirurgie et de chirurgie en 1928 et en 1932. Pour conclure,
Alors on peut dire que le docteur El Matri fait partie des grands hommes politiques de la Tunisie, mais aussi des premiers et grands médecins de la Tunisie. Et pour lui rendre hommage, la Tunisie a bien conservé tous les écrits et les dossiers se rapportant au docteur Mahmoud El Matri dans les archives nationales de la Tunisie, comme l'a très bien souligné Madame Enis El Matri dans son livre, et je dis ça de façon ironique. Et c'est certainement grâce à des initiatives familiales que l'hôpital de l'Ariana est dénommé de nos jours hôpital Mahmoud El Matri, que la rue Mahmoud El Matri et l'avenue Mahmoud El Matri ont vu le jour, et que cette université est baptisée Université Mahmoud El Matri. Et je vous remercie de votre attention.